Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster avec Jeanne d'Arc, cette fois, qui continue hein, son petit bonhomme de chemin dans la vie de gangster, et c'est pas facile. On est toujours à la recherche de bouteilles. J'espère qu'ici, elle va bientôt pouvoir récupérer des choses. En attendant, on va aller lui proposer de travailler un petit peu au corps d'autres... On n'a pas de quoi lui vendre du cidre là. Ouais, on peut lui vendre du cidre, parfait. Il faut qu'on se fasse un petit peu d'argent. Hein. C'est parti, on passe le tour. On a fini la construction et ici, on peut récupérer des choses. De l'argent. Toujours pas des bouteilles malheureusement. Et on va agrandir notre territoire par là. Tu veux me refiler tes bouteilles de lait, Squash? Écoute, pour l'instant, j'aimerais bien, hein, mais malheureusement, les gens ne sont pas très 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 serviables, on va dire. Voilà, lui il nous aime pas, mais ils sont en train de se tataner eux, donc il y a une guerre de territoire ici. On s'en occupe pas. S'ils pouvaient se foutre sur la tronche aussi, ça serait pas mal. Il nous reste quoi dans notre véhicule? Plus rien, on a plus rien à vendre. Donc on vit maintenant sur nos réserves. Bon, le bureau de prohibition il est loin. Là, il n'y a rien d'intéressant. Merde, j'ai perdu Dark. Dark revient. On va essayer d'aller par là-bas. Un bowling. Des barils en acier, des petits tonneaux. Et un truc de vêtements. Je suis pas convaincu. Toujours passer par le coiffeur. Bah écoute, il y en a un là. Mais un barber shop. Et il vend des couteaux et de l'alcool. Donc on voit tout de suite le type de coiffeur. Hein. On va aller explorer par ici au prochain tour. Ah, on a gagné un petit peu d'XP. On va prendre le combat. Parce que notre personnage va très probablement se battre. Un truc de musique. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous vendent? Franchement, un truc de musique quoi. Ah! On a découvert la bande à McCarthy. Elle nous aime bien. Ça va. Des pots en grès, des pots en grès, qu'est-ce que vous voulez que je foute de pots en grès, hein? Est-ce que toi tu vends des petites bouteilles? Non, tu vends pas de petites bouteilles donc ça vaut pas le coup. Donc là ils se mettent sur la tronche mais ils retournent se soigner. Du coup ça peut durer longtemps. Bon, nous ça nous arrange hein, si nos rivaux se mettent sur la tronche, on va pas s'en plaindre. On va essayer d'aller par là. Tiens, lui, il connaît de nouveau des gens, là. On va retourner par là. Et ben, on va se rappeler Bottle, hein. Parce que, visiblement, c'est quand même compliqué, les Bottles. Toi. Et salut, Anox. Bienvenue sur le live. Ton amie Béatrice, elle est un petit peu loin, mais... Si elle pouvait éventuellement nous vendre des bouteilles, ce serait vachement cool. Ici j'ai pas été au final, hein. C'est loin en même temps. Mais je vais quand même aller faire un tour. Ah, on a rencontré la police de Rouen. Coucou. Donc pour l'instant on n'a pas d'employé, donc on n'a pas de salaire à verser, donc on peut se permettre hein, de se balader en vrai comme ça, plus ou moins à l'infini. Je dois t'appeler Lalanix, d'accord, j'essaierai de m'en souvenir. Et excuse-moi si jamais je me trompe. Donc oui, on n'a pas de salaire, donc on peut se balader à l'infini techniquement, même si ça peut venir devenir un peu chiant. Ah, ça c'est bien ça. Non, c'est pas bien ça. Mais bon, ce serait quand même bien si on pouvait, quand même avancer quoi. Ah merde, il y a les flics qui sont sur la zone, vous êtes sérieux?
On a rencontré une autre bande. Ah ouais, mais non, mais la vache, c'est la guerre ici, quoi. Du coup... Bah, on va pas rester là à rien faire avec nos points, on va aller faire un petit tour autour. Hop, voilà, le flic est barré. On peut acheter des fruits et des pots engrais. Émile, il est loin Émile là. Bon allez. Ah, un truc de bouffe. Bah bon app Alanix. Profite bien. C'est ouf cette histoire. On va essayer de voir si on n'a pas des petites bouteilles à récupérer là. Mais ça se trouve, oui, on a des petites bouteilles. Donc c'est dans les 6 tours, très bien. 75, c'est pas mal. Du coup là, on a 20 petites bouteilles. Ah, c'est pas ouf, hein. Tous les 6 tours, en gros, il va nous falloir 3... 3 fois 6 tours pour avoir suffisamment pour faire un truc. Après, peut-être que si jamais on a plus de livraison de bouteilles, enfin si on vend plus de trucs, ça fonctionne mieux, mais c'est quand même pas simple. On va essayer de trouver un autre endroit où s'étendre. Ici on n'a pas de faveur, ici on n'a plus de faveur. Ici il pourrait peut-être lui accepter de travailler pour nous. On va voir. Ah oui, non, on est en train de travailler sur un autre agrandissement de territoire, donc ça ne marche pas du coup. C'est pas grave. On va ici aller regarder un petit peu. Alors Alanix, le principe du jeu, c'est de réussir à prendre contrôle de Rouen. Tiens, c'est quoi cette icône? Cette personne aimerait vous aider vis-à-vis de vos problèmes financiers. Tiens donc. Un petit investissement. Alors, pardon, excuse-moi Alanix, parce que c'est un truc que j'ai jamais vu. En fait, c'est un jeu, j'ai fait une découverte il y a plusieurs mois quand il est sorti. Là, il y a un nouveau DLC qui est sorti, que j'ai réussi à voir grâce au développeur. Du coup, je relance une petite partie dessus. Et en fait l'objectif c'est de fabriquer de l'alcool illégal dans l'Amérique de la Prohibition. Donc là en l'occurrence on est à Rouen parce que Jeanne d'Arc est une Canadienne expatriée en France qui se sert de ses contacts à la frontière des USA pour apprendre comment inonder la France d'alcool frelaté. Et ben on doit établir des opérations. Donc ici on voit le bâtiment qui est en bleu là. On a une fabrication de vin dans l'arrière-boutique. On doit lui apporter des matières premières, on galère un peu pour trouver des matières premières malheureusement. Et en fait, bah, petit à petit, on va étendre notre zone d'influence bleue sur le reste de la ville, trouver des alcools de plus en plus lucratifs, gagner de l'argent, engager des gens pour qu'ils travaillent pour nous, engager des capitaines, etc. Donc du coup, c'est un petit peu l'objectif, quoi. Alors, 750... Et on lui sera redevable. Pourquoi pas. J'ai pas vraiment besoin, mais vu que je connais pas le concept, on va essayer. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, sauf les bouteilles, exactement. Et malheureusement, on trouve des gens qui nous vendent des fruits, des trucs et tout, mais on trouve personne qui nous vend des foutues bouteilles, quoi. On a besoin de bouteilles. C'est quand même dingue, hein. Franchement. Alors, la dernière fois, on a fait la première partie. Il nous fallait des bouteilles, on a trouvé que des gens qui vendaient des pots en grès. On a fait une deuxième partie, il nous fallait des pots en grès, on a trouvé que des gens qui vendaient des bouteilles. Et là, c'est la troisième partie qu'on recommence, du coup. Et on ne trouve que des gens qui nous vendent des pots en grès. Ah, si je prends pots en grès, c'est la teuf, hein, y en a 3 qui vendent des pots en grès, petites bouteilles. Alors j'enlève les pots en grès, je mets les petites bouteilles. Que dalle. Nulle part il y a des petites bouteilles quoi. C'est quand même la tristesse. C'est tellement la tristesse, bordel. Alors après c'est pas hyper grave comme je le disais, techniquement pour l'instant on n'a pas d'employé. Alors bon, il y a pendant ce temps là nos éventuels concurrents s'étendent, hein, parce qu'il y a des d'autres personnes sur la map, des ennemis gérés par l'IA. Bah merci d'être passé Lélanix et bonne fin de journée. Mais on n'a pas besoin de gagner de l'argent non plus de ouf quoi. Mais bon, c'est quand même un petit peu frustrant, je ne vous le cacherai pas.
Donc, il n'y a plus grand monde qui... Alors lui, il pouvait nous donner un contact, mais c'était en plein dans la zone d'un ennemi, donc c'est pas gênant. Visiblement, quand vous gagnez pas assez d'argent, les gens considèrent que vous avez des problèmes financiers. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de problèmes financiers en vrai. Faut juste qu'on trouve quelqu'un qui nous vend des trucs. Alors, lui, il est dans la merde, mais est-ce qu'il vend des bouteilles? Non, il nous vendra des fruits, donc on s'en fout un peu. Du coup. Ok, on a réussi à avancer un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. On va voir si lui, il accepterait de financer, enfin d'avancer. 220, donc c'est un petit peu loin, mais il y a quand même un bon potentiel autour de lui, donc on va le prendre. Et est-ce qu'on pourrait pas s'agrandir? On pourrait s'agrandir par là, pourquoi pas. Et est-ce qu'on pourrait pas construire une étagère à bouteilles? Oui, c'est parti. Donc il nous faut... Il nous faut quoi? Du bois, ok. Maureen et sa bande ne sont plus en colère, ça c'est parfait. Là il y a une quête, pourquoi pas. Il nous faut quelqu'un qui vend du bois. On a une scierie ici. On va lui acheter un petit peu de bois. Je vais vous en prendre 24. Oui, on a toujours nos 20% négociés. Donc on prend. On va y arriver, hein. On va trouver des fournisseurs. On va faire ce qu'il faut. Ah oui, à lui, on avait réussi la quête parce qu'il nous fallait 5 coins. Donc maintenant, on a 5 coins. Alors, on pourrait du coup trouver. On pourrait peut-être trouver des choses. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font? On pourrait apprendre à faire du cidre, apprendre à faire du vin en brique, à faire de la bière ou du moonshine. Ou alors on récupère un petit peu de divers trucs. La bière, du jus de pomme. Est-ce qu'on peut trouver des pommes, du concentré de raisin, du sirop de malt ou de l'alcool? Je crois que de l'alcool, on en a plein de l'alcool neutre. On a le barbier là, il nous vend de l'alcool neutre. Là, la scierie, elle nous vend de l'alcool. Ouais, on va prendre le moonshine. On va faire du moonshine. On va essayer de trouver un autre bâtiment pour lancer une production de moonshine, puisqu'on galère avec notre vin de fruits. Et en plus, on a nos caisses de bois. On va donc pouvoir se lancer dans récupérer des bouteilles ici. Alors, dites-moi plus sur solidarité ethnique. En plus de collecter ces enveloppes de blé pour vous chaque mois, ça ne me dérange pas de récupérer des matériaux dans le quartier pour aider votre fabrique. Tout ce que je demande, c'est que vous m'aidiez à construire un espace de stockage. Qu'est-ce que vous avez en tête? On pourrait agrandir certaines de nos fabriques. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as en tête? 1200 balles? Non. C'est un petit peu tôt, je pense. C'est un petit peu tôt, mais t'as une autre quête par contre. Ah, il pourrait nous trouver une voiture de livraison. Ok, pourquoi pas. 250 balles, on va pas le faire tout de suite parce que pour l'instant on sécurise pas non plus nos revenus, mais on va garder ça en tête, ça serait intéressant. Alors, toi mon cher, qu'est-ce que tu nous proposes? Nous avons déjà travaillé ensemble et je pense que notre organisation aura un jour les rênes de cette ville. Et a priori, tu connaîtrais des opportunités. 10 coins de rue, ça me va. Et en attendant, tu vas me faire de la thune? Merci. Donc là, on va commencer normalement à récupérer un petit peu d'argent. Hein, parce qu'on a ce commerce, ces deux commerces-là qui nous donnent de l'argent. Ici, ça nous donne de l'argent aussi. Lui, il nous fournit de l'argent. Là, alors là, on s'étend sur un endroit qu'on ne connaît pas. Donc je sais pas du tout si c'est intéressant, mais c'est pas grave. On va faire avec. On n'a toujours pas de petites bouteilles achetables. Non. Mais on a moyen de faire du moonshine.
Il faut donc qu'on trouve quelqu'un. Voilà, tiens, bah. On n'a plus de points d'action. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui pourrait nous proposer en fait un nouveau bâtiment. Alors là, vous voyez un nouvel icône qui est apparu, le petit plus là. Ça veut dire qu'ils connaissent des gens qu'on pourrait embaucher. Donc ça nous donne un personnage comme ça, qu'on peut soit mettre dans une voiture pour faire des livraisons, pour se balader, etc. Ou soit mettre à la tête d'une organisation pour améliorer les bonus, que nous, enfin la production, les bonus, les différentes choses que ça nous fournit. Donc c'est assez intéressant pour l'instant, par contre il faut payer le salaire, hein, et on n'a pas ce qu'il faut. Donc je pense que on va faire autrement, à savoir toi. Ah, il faut 20 points de relation pour que elle nous propose un bâtiment. C'est embêtant. Bon, pour l'instant, c'est la seule qui nous propose ça. Donc il faudra qu'on améliore notre relation avec elle. Comment on peut améliorer notre relation avec elle? Il y a lui qui pourrait nous aider. En avant. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Donc c'est avec elle. Hop là. Coucou machine, tu nous aimes à 37 maintenant. I égale L, serait intéressant de faire la jonction physique avec la zone d'influence légèrement isolée. Ça va se faire naturellement en fait, normalement. En fait là, ça m'a coûté plus cher de le lancer la zone ici parce que c'était pas collé à ma zone. Donc plus on va loin techniquement, je pourrais aller demander à quelqu'un ici de travailler sur la zone d'influence. Ça coûterait un bras. Mais en fait, le truc c'est que il faut faire attention à ce que tes zones d'influence soient rentables. Parce que si par exemple, je sais pas, je prenais cette zone là, si j'ai trouvé un commerce ici, elle pourrait pas s'étendre là, elle pourrait pas s'étendre là. Ce qui fait qu'elle devrait être rentable avec que ce qui est autour de là. En fait, plus vous prenez une zone qui a des cases vierges autour, plus vous avez de chances que ça soit rentable. Et techniquement, cette zone-là, surtout, juste à côté, là, il y a trois commerces qu'on pourra extorquer. Alors après, on peut ne pas réussir à les extorquer, comme vous avez vu tout à l'heure, ils peuvent refuser, mais en général, avec la bonne motivation, ils finissent par accepter. Du coup, rien que là, ça serait rentable. Donc après, il suffit que dans cette zone-là, il y ait quelques commerces intéressants, et ça sera très très bien, quoi. Et ici également, il va normalement nous proposer tout seul de s'étendre par ici, et donc se recoller à nous. Et en plus, on aura éventuellement un autre commerce à racketter. Alors, on va regarder ce qu'il nous propose. Sa mère a une idée de business. Donc il y a un commerce dans le quartier, qui serait ici. Elle aimerait couvrir un commerce légitime. Et donc, il nous fournirait des tuyaux, du bois et des battes de baseball. Alors, c'est pas des trucs qui vont nous servir des masses pour notre alcool, mais le bois déjà pourrait nous servir pour construire nos casiers à bouteilles là. Et les tuyaux peuvent servir pour les trucs avancés. Et les battes de baseball, j'ai envie de dire, c'est toujours utile. Qu'est-ce qu'il faudrait? 750. 750 et elle nous paye plus par mois. Ouais, on a pile poil 750, ça me paraît intéressant. Donc on va être un peu ruiné, mais c'est pas grave. Trinquons un bel avenir. Et donc là, on a désormais ce nouveau bâtiment, donc qui est bleu, vous voyez là. Et qui est un commerce légitime, qui va fabriquer des battes de baseball, hein, parce que pourquoi pas. Et dans lequel on va pouvoir soit convertir en réserve supplémentaire d'ailleurs, parce qu'on veut stocker plus de trucs, soit démarrer une opération. Et par exemple une opération de moonshine, donc ça coûte 1000 malheureusement. Mais il nous faut de l'alcool neutre et des pots en grès, et ça on sait qu'on peut le trouver, contrairement à ces foutues bouteilles là. Il nous faut 1000 balles par contre, donc ça peut être un petit peu long. Mais c'est pas grave. On pourra éventuellement emprunter parce qu'on a des problèmes financiers. Pourquoi pas. Est-ce que ici il n'y aurait pas des bouteilles à récupérer? Non. On va emprunter comme des sacs hein, pour lancer notre affaire.
On s'occupera de rembourser plus tard. Tu voulais quoi, toi? Je sais plus. Allez hop. Donc on a 3 emprunts en cours là. C'est un nouveau mécanisme, je sais pas du tout comment ça fonctionne ou ce que ça fait. Mais c'est parti, on va... Ah oui, alors faut que je pose l'argent dedans. Voilà. Et on va lancer ça. Toc. Donc du coup maintenant il faut qu'on achète des bouteilles et des pots en grès. Et ça normalement, on devrait trouver. Donc ça sert à rien d'aller ici parce qu'il y a un flic donc il voudra pas vendre. Mais on a des bouteilles d'alcool juste là. Où sont les pots en grès les plus proches? On va peut-être enfin pouvoir commencer à faire des affaires. Ça c'est beau. Là c'est un gros détour. Là c'est pas très loin par contre. En avant. J'aimerais acheter des pots en grès. Tout ce que t'as, 20. Ça coûte 40, ça coûte rien les pots en grès. Hein, donc on se fait plaisir. On retourne là. On dépose tout. Donc il en faut 25, on en a amené 20. Et il nous faut 10 bouteilles. Donc ça c'est un peu embêtant dans le sens où vu que le commerce lui-même ne fournit rien d'intéressant pour cette production-là, il va falloir qu'on amène tous les 4 tours ce qu'il faut. Mais on va pouvoir embaucher quelqu'un, une fois qu'on commencera à gagner un petit peu d'argent, on va pouvoir embaucher quelqu'un pour qu'il fasse les allers-retours pour nous en fait. On peut lui faire un chemin de livraison et dire ah, voilà, va ici, achète des pots en grès, va là, achète de l'alcool, va là, achète des pots en grès, reviens, dépose, et puis comme ça, aussi longtemps qu'on veut. Mais il y a une quête ici, on va aller papoter. Ah oui, la quête pour que il nous aime mieux parce qu'on l'a racketté à mort. Toi... Ouais, tu nous proposais de rencontrer cette personne, mais... Allez, on va le faire. Ça coûte pas cher, et puis de toute façon, on a un point d'action qui fait rien. C'est ça, Squash, c'est relativement, relativement classique, on va dire, comme fonctionnement. Merci, il a besoin d'argent là-bas. On va essayer de se concentrer sur notre... Toi, tu vends de l'alcool. Il nous faut d'autres pots. D'autres pots en grès. Qui vend des pots en grès dans le coin, déjà? Tout là-bas, ils vendent des pots en grès. Go, il nous faut des pots en grès. Hop, on prend tout. On s'en fout. On va pouvoir revenir ici. Il y a de l'argent à récupérer. Hop. Par contre, toujours pas de petite bouteille. Forcément, on vend rien. Donc, mais on peut t'acheter de l'alcool. Une petite remise. Fais une petite remise. 10. Zut, on est trop plein. On peut pas prendre, c'est pas grave. On va déposer. Hop. Faire un petit aller-retour. Prendre la dernière bouteille. Voilà, hop. Et le moonshine, ça se vend assez cher en plus. Et donc là, quand ce truc là sera terminé, vous voyez que c'est plus rouge ici, il y a ce qu'il faut. Ça va nous donner un petit peu d'air. Par contre là-bas, il a besoin d'argent. Ce commerce de façade demande de notre attention. Ici on a toujours bien bouteille. Alors l'avantage hein, c'est qu'on fait un gros stock de fruits et de sucre. Hein. Donc... ça c'est cool, il nous faut plus de points de mouvement parce que c'est compliqué. Ah, ici il y a eu une descente de flics. Donc si on avait été dans la case, elle aurait pu nous prendre tout notre équipement, payer une amende, etc. Alors est-ce qu'elle va bien vouloir discuter? Allez hop, on va... On va lui filer 10 balles. Et on va aller voir ici, il y a des quêtes. Tiens, toi.
connaît des gens qui nous intéressaient. Vous fabriquez du moonshine. Ouais. On va bientôt vouloir en vendre du moonshine, ça tombe bien. Alors, toi t'as une quête. Tu voudrais du moonshine, très bien. C'est justement celle qui est censée en acheter. Pour l'instant, elle en achète. Ah oui, si elle en achète, c'est bon. Donc on va pouvoir lui vendre. Et ici, qu'est-ce que t'as comme quête? Un club civique local pour avoir un endroit où nous réunir et parler de notre chère terre natale. Ah oui, il est canadien lui aussi. Il te faut 1000 balles. Ouais, bah pourquoi pas, mais ça va prendre un petit peu de temps par contre. Hein. Donc du coup, américaine. Et toi, américaine, ok. Après, c'est bien de faire des quêtes parce que plus ils nous aiment, plus ils vont accepter d'être extorqués facilement quand quand ici on leur a répondu notre bonne parole. Par contre, techniquement, elle, voilà, elle nous aime pas du tout, donc la raqueter, ça sera peut-être tendu, on verra. On a 5 points, juste ce qu'il faut pour explorer. Les gens cherchent des cigarettes apparemment. Ça c'est intéressant. Y'a personne qui a débloqué des petites bouteilles. Hein. Des fois il y a des commerces qui apparaissent ou qui font des choses, donc c'est intéressant. Et ils continuent de se taper sur la tronche. Pas de soucis. Et toi d'ailleurs. J'ai pas été voir, mais t'avais pas de. T'as pas refait ton stock de petites bouteilles. Il se barre pas le flic, donc. Ça nous arrange pas. On va aller acheter un petit peu d'alcool. Non, on va pas acheter de l'alcool, on a négocié un prix avec, avec elle. On va explorer un petit peu, on verra si elle nous met une petite tatane. Non, ok, lui il veut pas parler avec nous. Des pots engrais par contre on en a jamais assez. Bon, t'en es où toi? Fabrique de moonshine là. Encore un tour pour la fabriquer et après 4 tours pour fabriquer de l'alcool. Ça va venir doucement. Ah, tu connais quelqu'un qui nous serait utile toi. Pourquoi pas? On va commencer à regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Comme recrue. Alors, Agnès Hall. Bon, ça doit être sa sœur ou quelque chose du genre. Dites-moi en plus. C'est sa fille. D'accord. Elle apprécierait que vous ayez un élément de sa famille. Elle est gentille. Elle peut entrer sur le territoire des canailles de quartier sans pénaliser la relation. Elle a de la compassion. Et elle est clémente. Alors certes, c'est des personnes comme ça qu'il faut pour améliorer le monde. Mais dans le contexte, je suis pas bien sûr qu'elle sera très utile. Ah, et je peux lui demander si elle connaît des vendeurs. Mes opérations manquent de récipients, carrément. Nice. Ça c'est cool ça. Ah, votre véhicule est amoché. Ah oui, il va falloir qu'on aille le réparer notre véhicule effectivement. Donc lui il vendrait des pots engrais. Lui il vendrait potentiellement. Non, il vend du sucre. Ah, et là il vend des bouteilles. Des bouteilles! Attends, c'est hyper loin. C'est hyper loin. Salut l'on contamine, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme recrue? Ta cousine Pauline, maladresse et vigilante. Zut, dommage parce que vigilance c'est pas mal pour les armes à feu, mais maladresse ça va pas trop quoi. Non, c'est pas possible.
suis désolé, mais c'est pas possible. Toi, ta nièce Pauline, bah oui, c'est vrai que c'est la même famille, hein, donc. C'est bien fait, hein, parce que là c'était la mère de elle, et du coup il nous propose la même personne. Bon, il faut qu'on sécurise un chemin jusqu'ici. C'est un petit peu se balader au milieu des territoires des gens, hein, mais bon. Tant pis. Des petites bouteilles! Donne-nous des petites bouteilles! Est-ce que on a de quoi faire un prix? Parlons du prix. Non. Non, il nous aime pas. Il est irritable. Donc on va prendre toutes ces petites bouteilles qu'on peut. C'est-à-dire pas grand-chose, mais au moins ça améliore un peu la relation. Et ouais, c'est City of Gangsters of Rouen. Et on va enfin pouvoir peut-être commencer à faire des choses. Comme quoi tout arrive. Tiens, bah, vu qu'on est là... Donc elle nous vendrait des trucs intéressants, mais dans le contexte ça nous sert pas. Et là ils nous aiment pas, c'est très loin de chez nous, hein, donc forcément ils nous aiment pas. Il va falloir qu'on aille réparer notre, notre camionnette aussi, qui commence à souffrir de se balader autant. Ah, et on a réussi à s'agrandir, on a réussi à terminer un nouvel établissement, ça c'est parfait. Donc ici il va falloir qu'on aille essayer de racketter. Oula, ici ils sont un petit peu trop sur notre tronche là. Alors, donc là ça y est, enfin, on va commencer à fabriquer du moonshine. Alors c'est les années 20, du coup les mobilettes c'est pas trop le thème, contamine. Mais oh oui, il y a quand même un petit peu de ça. On va déposer nos bouteilles de grès, parce que si j'avais pensé à les déposer, on aurait pu acheter plus de petites bouteilles. On va déposer nos petites bouteilles. Voilà, on en a 34, toujours pas assez, mais petit à petit on va y arriver. Il va falloir qu'on aille réparer. Ah mais sérieux, je veux réparer ma camionnette. C'est pas un business illégal quoi. Toi tu répares ma camionnette ou pas? Il a besoin, comme qui dirait, d'un peu d'amour. 41? Allez hop, c'est parti. Parler de voiture ou de camion avant, non. Véhicule à deux portes, ok. Pour 500 balles, c'est un peu cher pour l'instant. Bon. On a dit que notre nouvel objectif, c'est d'aller par ici, essayer de... fricoter un petit peu avec cette madame. Ça ne me dit rien qui veille. Allez, un petit paiement. Oh, mais voilà. Tout de suite, de l'extorsion. Tout de suite. Franchement. Cette malpolitesse. Allez, t'as besoin d'argent, toi. Hop. Est-ce que tu proposes de nous agrandir par ici? C'est pas mal, hein, pour 10. Donc ça va lui coûter 20, mais elle là nous rapporte 25, donc ça devrait suffire maintenant. Il devrait s'auto-suffire. Et ça c'est cool. Tu risques de disparaître, plus de batterie dans le TR, direction maison, coupure prévue. Ah bah écoute, rentre bien du coup, si jamais on ne te voit plus. Ah, c'est hyper loin les bouteilles là. Mon bête, toi, des vendeurs. Donc on a découvert Ross et sa bande, et toi, tu vends des pots en grès. Ouais, non, mais c'est des bouteilles qu'il nous faut. Des batailles. Il nous faut des batailles. Tonton, tu nous proposes d'embaucher Tata. Organisation, diligence et myopie. Ah, elle est très très bien elle. Bon, elle est myope, mais organisation et diligence, c'est deux très bons traits pour gérer un commerce. On va la prendre.
Et donc on a Anna Dark qui nous rejoint. Et on va la mettre ici. Hop là. Du coup c'est notre mère. Ah oui d'accord, c'est sa sœur mais c'est pas ma tante, c'est ma mère. Oui c'est logique. C'est pas tout à fait logique. Et salut Aek 96, je pense que tu es un bot, mais du coup je vais te dire au revoir. Je le crains. Hop, comment je vire cette fenêtre là, Twitch? Ouais, merci. Bon joueur, contradiction de bonjour et de bonsoir. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, il va falloir qu'on lui paye son salaire à la dame. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'argent déposé ici. Donc on va lui mettre un petit peu d'argent dans les stocks. Voilà. On va mettre 200, ça devrait permettre de commencer. Ah, je peux mettre. D'accord, je peux mettre des trucs en favori, mais c'est très bien ça. Hop, favori. Favori. On est d'accord. Ah, on a découvert donc dépôt, 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 dépôt et des petites bouteilles. Fantastique. C'est vraiment la dèche de petites bouteilles. C'est impressionnant. On n'a plus de points d'action. On va donc utiliser nos 5 derniers points pour découvrir cette zone. Hop là. Ah, ici ça se termine, on dirait, la guerre là. J'ai attiré la colère de Ross et sa bande. Bah, et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ne lui revient pas. Écoute, je suis désolé pour toi, mais c'est comme ça. Donc, ça y est, on a réussi notre première production. On a du moonshine à vendre! On a du moonshine à vendre! C'est beau! C'est beau! Et on paye 12 à notre maman pour travailler pour nous. C'est un peu la tristesse quand même! Alors ici, t'as des petites bouteilles. Oui, envoie-les là-bas. Mais vite quoi. Je récupère aussi la thune. 82, c'est pas mal. Tu peux pas t'étendre plus toi, ouais, hein, parce que t'as pas de route, donc par ici tu peux pas, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Est-ce que t'as éventuellement de l'alcool? On a juste ce qu'il faut pour investir dedans, donc on va le déposer tout de suite là. Comme ça, il y a ce qu'il faut si on revient pas d'ici 4 tours. Là, il devrait y avoir ce qu'il faut enfin. Oui! Il y a ce qu'il faut. On va pouvoir faire un petit peu de vin, on va pouvoir faire commencer à vendre des trucs. Le moonshine, on peut le vendre où? Ici on peut vendre du moonshine et ici on peut vendre du moonshine. Plutôt aller là, je pense. D'ailleurs, on va s'arrêter ici, voir si lui nous propose pas... Si, il est déjà en train de travailler à agrandir par ici, c'est vrai. Ah, il a des bouteilles aussi. Merci quoi. Filez-moi des bouteilles. Et on a plus de points d'action. Tu voulais quoi toi? Ah bah du moonshine, parfait. Hop là, comme ça il nous aimera bien. Et nous aimera bien. Ça c'est très cool. On va passer le tour et on va lui vendre ce qui nous reste. On va parler argent. Voilà, on va lui vendre au maximum. Plein pot, puisqu'elle nous aime bien. Ah, et on commence à se faire de l'argent, et ça c'est beau. Alors... C'était lui, hein. Ouais, c'est ça. Lui, il avait besoin de 250 pour sa quête. On va lui filer.
Alors, notre nouvel ami a dépensé cette enveloppe. Il contient tout ce dont vous avez besoin. Étant donné l'origine commune, on m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres opportunités avec sa société de livraison si vous pouvez apporter votre aide. D'autres opportunités, dites-vous? Ouais, c'est parti. Alors, du coup, on a eu compétence. Conduite de camion. En apprenant à conduire des camions, vous augmentez le nombre de camions que vous pouvez utiliser et réduisez l'usure de tous les véhicules. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Et du coup, il faut quoi? 750, ouais. Bon, là, on va peut-être se calmer tout un petit peu. Hein. Et on va arrêter l'épisode de Veodela. Et je pense qu'on va peut-être de toute façon arrêter le live là, mais d'abord l'épisode de VOD, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça y est, enfin, on commence à étendre notre mainmise sur Rouen. Ça nous aurait pris un petit peu de temps pour réussir à trouver un fonctionnement potable, mais ça y est, je pense qu'on est parti. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord si vous voulez voir la suite en live. J'essaierai de continuer la suite en live, probablement le mercredi soir. Entre du Hound of Merlin et du City of Gangsters. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.